Salut tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais faire deux relais 2x2 5x5, un avec mes plus anciens cubes et un autre avec mes cubes les plus récents. Donc là on a un 2x2 que ça fait bien un an que je l'ai. Là ce Rubik's Cube là bah, je l'ai depuis très longtemps en fait, même avant de commencer le speedcubing. C'est mon père qui l'avait avant donc il est vraiment très vieux, il est même plus vieux que moi. Donc celui-là, je l'ai eu, c'est mon premier 4x4, j'ai dû l'avoir l'été dernier, donc ouais, ça fait aussi environ un an. Ce 5x5, je l'ai eu à Noël, donc ça fait au moins 6 mois que je l'ai ouvert. Et ce Rubik's Cube-là, lui, ça fait environ 2 mois, lui, 1 mois, lui, ça fait quand même un petit bout de temps, ça fait depuis Noël, donc ouais, lui, ça fait, c'est le plus vieux de ces relais-là. Et ensuite, on a ce cube-là qui date aussi, je crois, de Noël ou un peu plus tard. En tout cas, ils sont quand même plus récent que cela. Donc du coup c'est parti pour les mélanger, donc j'ai coté ça au montage et on se retrouve pour la résolution. Et donc voilà, j'ai fini de les mélanger. Donc on va commencer par le premier relais, donc je vais commencer par les plus anciens. Donc du coup j'ai pas fait les mêmes mélanges, mais on s'en fiche un peu de toute façon. Donc voilà, on va partir sur le premier relais, c'est parti. Donc voilà, j'ai fini le premier relais. Donc là, j'ai fait un 5.32.333, donc c'est assez rigolo. C'est vraiment nul par contre, surtout que j'ai fait un gros fail sur le 3x3. Je me suis raté à la PLL, donc j'ai dû recommencer à partir des F2L. Donc c'était un peu long. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au second relais avec les nouveaux cubes, enfin les plus récents. Et donc c'est tout de suite parti pour la résolution. Et donc voilà, je viens de finir le deuxième relais. Donc là, j'ai fait 4 minutes 19. Donc c'est plus d'une minute de moins que l'autre relais. Alors même là, si j'avais pas fail, pardon, je pense que j'aurais même fait au-dessus de 5 minutes quand même. Donc c'est aussi une preuve que c'est important d'avoir de bons cubes. Malgré qu'il ne faut pas non plus dépenser des sommes astronomiques dedans. Donc voilà, j'ai fini de faire les deux relais. J'espère que ce petit concept vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!